Regardez-moi les moquettes. Hein? Regardez-moi mon moquette. Volez-les! Volez-les! Patron! Venez ici! Pêchez-toi! Quick! Regardez-moi ces moquettes. Regardez-moi mon moquette. C'est nettoyé ou ce n'est pas nettoyé? Ce n'est pas nettoyé, patron. C'est-à-dire que ce matin, je suis d'abord amené mon enfant à l'hôpital. Il souffre d'une diarrhée. Écoutez-moi les bêtises. J'ai déjà répété à toi là, combien de fois, qu'il faut que tu dois choisir entre ton bêtise là et le travail. Hein? Il souffre les diarrhées, il souffre les diarrhées. Il ne peut pas mourir tout. Entre ton bêtise là qui se fait les diarrhées et le travail, mon joli moquette, qu'est-ce qui me coûte le plus cher à moi? Mon enfant, patron. Hein? Votre joli moquette, patron. Et alors? Si ça continue encore comme ça, je vais te licencier. Est-ce que tu as très bien comprendre? Oui, patron. Merci, patron. Allez, fous-moi le camp. Je n'aime pas le merci. Merci, nous dit Halep. Fainéante. Regardez-moi même le téléphone. Hein? Quelqu'un a touché cet téléphone. Fallez-le. Patron. Revenez ici. Qui a touché cet téléphone? Je ne sais pas, patron. Il faut que je dois savoir qui téléphonait dans ce villa quand je ne suis pas là. Ouais, patron. J'ai téléphoné même à qui? Je vous assure que moi, je ne sais pas où. Comment tu ne pas savoir? Hein? Comment tu ne pas savoir? Tu se vois seulement que si tu me vois un peu avec une petite demoiselle comme ça dans mon super salon en ville que j'ai parti s'amuser, tu vas courir pour partir dire les madames pour qu'elles me cherchent les histoires. Non, patron. Yes. Non, patron. Yes. Non, je patron. Connaissais tout. Hein? Mais pour nettoyer mon moquette comme ça, très joli, correct, propre. Hein? Surveiller les téléphones que personne ne touche pas. Tu n'es pas capable pour ça, n'est-ce pas? Allez, licenciement! Ouais, patron, demandez même à Pire! Pas question que j'ai demandé le Pire. C'est ton travail pour nettoyer mon moquette, joli, correct, propre. Suivez le téléphone que personne ne touche pas. Est-ce que tu ignorais que le téléphone, c'est cher, beaucoup l'argent, hein? Non, patron! Mouac, fainéante! Est-ce que les bêtises comme vous comme ça, vous pouvez avoir un téléphone comme ça chez vous un jour? Non, patron. Et alors? Allez, tu vas ramasser toutes tes affaires, tu s'en vas. Je vais engager une autre pour me faire le travail, correct? Ouais, patron, qu'allons-nous devenir mes très orphelins enfants et moi? Mettez-vous à ma place. Écoutez-moi les bêtises. Moi, je préfère ma place. Tu entends? Mes très orphelins enfants et moi. Mes très orphelins enfants et moi. Est-ce que c'est moi que j'avais donné les trois bêtises là à toi? Déjà même l'autre jour, j'ai entendu qu'on ait jeté le viande de loulou. Mon joli chien qui est mignon comme ça là. Tu as volé pour aller nourrir tes trois conneries là, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Non, patron, hein? je n'ai jamais volé la viande de votre chien. Non, yes, patron. Tu avais volé ça. Taisez-toi. Hein? De toute façon, j'ai décidé, tu me connais, tu vas partir. J'ai engagé une autre pour me faire le travail. Je l'ai correct. Ouais, patron, pitié. Ouais, patron, pitié. Chouin. Qu'est-ce que les bêtises comme vous comme ça avaient même venu faire sur la terre ici? Vous accompagnez, non? Fallez-les. Patron. Si tu me vois encore un peu avec une petite demoiselle dans mon super salon en ville que je partais s'amuser, est-ce que tu vas partir pour dire le madame? Non, patron. Ok. Si tu partais encore pour dire le madame, qu'est-ce que je dois pour faire à toi là? Richanchier, patron. Comment? Vous me richanchier alors. Est-ce que tu comprends très bien les richanchier que tu parlais là comme ça? Oui, patron. Ok. Allez, partie, finissez le travail derrière. Fainéante. Merci, patron. Merci beaucoup, patron. Merci, patron. Hé, hey, attendez un peu là. J'allais oublier quelque chose qui est très important. On est aujourd'hui
Bientôt la fin de mois, n'est-ce pas, hein? Oui, patron. Ok. Cette fin de mois, tu vas toucher seulement que les moitiés de ton 4350 francs de salaire-là à cause de viande de mon chien loulou que tu avais volé, hein? Non, patron, moi j'ai déjà dit que je n'ai jamais volé la viande de votre chien, non, patron. Hey, Patty, finissez le travail derrière, fainéante. L'argent, c'est dur pour gagner, hein? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Je connais très bien la Bible. Et quand je vais mourir, je suis sûr que je vais partir au paradis. Le ciel.